Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Nous sommes de retour une nouvelle fois sur Suikoden 2. On a fait la rencontre d'un vieil ami pour ceux qui connaissent le premier opus du jeu. Enfin, de cette série plutôt. Necklord. Necklord qui est encore en vie. Un vieil ami de Victor d'ailleurs. Pour le vaincre, on est allé chercher l'épée Star Dragon. Elle est désormais en notre possession. On va pouvoir aller latter ce gros con de vampire. Mais avant ça, on va faire un tour en ville. Allez, c'est parti. Et bonsoir, Yann, Kuro, Flat, Mona, comment ça va? Salut Nana. On va retourner en ville, ouais, parce que c'est un peu le chaos là. On a plus beaucoup de mana en fait. C'est pas de la mana. Il nous reste pas beaucoup de sorts en fait. Et les objets de soins, j'en ai cramé pas mal. On va peut-être pouvoir aussi attacher des runes, je pense que c'est une bonne chose à faire. Salut Logan, comment ça va? Bon, ceux-là, évidemment, on leur roule dessus. Ça montre que l'équipe, elle a progressé quand même rien qu'avec la caverne devant. Tiens, il est plus là, l'autre. Je vais racheter des objets de soins, mais pas tout de suite. Je vais faire un peu de place avant. Je viens de regarder le premier épisode de Xenogears, et bah waouh! Salut Cédric! Ouais, t'inquiète Logan, ça fait que commencer, vraiment. Alors, annule le feu au damage x2. Ça, je le mettrais bien à Victor. Ou peut-être la brume, je sais pas. De toute façon, ça coûte pas très cher de l'attacher. Ça coûte le même prix, je pense, de retirer. Donc, on va en profiter. Je peux rien mettre en fait, c'est pas pour eux. Bonjour Lucina, comment ça va? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Appel seul, front magique. Je vois pas ce que ça peut être ça. Faudrait que je regarde la liste des runes qui m'a été envoyée par Gar. Ça, on sait que ça me fait des dégâts aussi, donc c'est pas ouf. En tout cas, pas dans ma condition. Annule le feu. Par contre, l'eau, ça va me déchirer si je comprends bien, en fait. En attendant, je mets ça. Par contre, si je vois un donjon genre de feu, ça pourrait être pas mal de le mettre. Éclair, puissant contre les individus. Pour les attaques et les soins. Attends, j'en ai déjà une d'équipée de celle-ci, mais sur qui?
Ça doit être sur Flick, mais il est pas avec nous, donc... Allez, zou. Je vais plutôt la changer, en fait. Ou alors peut-être pour Victor, est-ce qu'il peut la mettre? Il peut éventuellement la mettre, donc on va virer celle-ci en fait. J'aurais dû regarder ce qu'il y avait de dispo en rune. Il a disparu l'autre. Bon. Il y avait un espèce de moine ici. Il est plus là. Tant pis. Ça, on s'en fout, c'est un peu naze. Putain, ça doit être violent, hein, vu le prix. Ah, mais je crois savoir ce que c'est. Gar m'en a parlé, c'est peut-être des runes de niveau supérieur, du coup il faut peut-être que je mette d'abord la première rune pour pouvoir utiliser l'autre. Je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas s'il faut les garder ça. Dans le doute, je vais les garder pour le moment. Zut. C'est une traduction officielle, mais elle est affreuse. Ouais. Alors, là j'en ai 6, 4, 5, 2. Ça, on va le garder. Je pense que j'en ai assez. Hein. J'avoue, on dirait une fan-trad niveau police. Ah non, c'est pas la police qui choque. Tu vas voir ce qui va choquer. Autant la première partie, les deux premiers lives, c'était très très correct. Après, c'est parti en sucette. À mon avis, le mec, il s'est fait virer. J'ai oublié le plus important. Je suis pas allé à l'auberge. Ah,
Alors non, la trad elle est pas à chier, Kuro. Y a pas encore eu de désert où on s'est perdu, donc ça va. Je vais en faire un troisième. Si jamais je rate un perso super important, enfin si je rate un perso tout simplement des 108 étoiles, peut-être que je reviendrai en arrière. Disons qu'il y a des erreurs de traduction, Logan, du genre, t'as deux amis d'enfance dans le jeu. Un coup ils se tutoient, un coup ils se vouvoient, quoi. C'est pas ouf. Pourquoi il prend si cher celui de gauche, là? Certaines descriptions des effets de runes sont tachées. Ouais. Ça, c'est pas faux. Difficile de savoir en fait ce que fait une rune tant que tu l'as pas essayé. En tout cas, pour certaines. Après, ça va, c'est compréhensible au niveau de l'histoire. Bien, l'heure est venue de tuer un vampire. Et Pestar Dragon n'échoue pas cette fois. Sac de viande, imbécile. Allons d'abord chez Necklord. Je sais comment enfermer sa force. Nous entrons, Ryo. Tu vois, genre là, nous entrons. Non, allons-y. Enfin, je sais pas. D'accord, ça c'est pour sortir. Il y a une maison, là. J'en ai déjà une, mais ça peut être bien de la mettre sur un autre personnage. Oula, ça a l'air relativement vaste. Bon, de toute façon, je peux pas y aller ici. Ça règle le problème. Salut Kane, ça va pas mal et toi? Bah t'as déjà répondu. Y a pas de méchant? Bah si. Il me semblait bien. Faut pas blâmer Suikoden. Les autres jeux sortis ces années-là étaient pareils. Oui, tout à fait, les traductions étaient pas super super. Pour ne rappeler que celle de Breath of Fire 3, hein. C'était une catastrophe. Mais c'était déjà bien d'avoir ces jeux en français, si j'ose dire, à cette période, quoi. C'était pas le début des trades françaises, non, Kuro. Il y avait plein d'autres jeux qui l'étaient, mais... Disons pour les RPG, peut-être. Ah d'accord, ça c'est carrément du soin. J'ai pas encore d'attaque avec, il est pas assez haut en fait. Je vais leur faire un sort parce qu'il faut les dégager là.
Limite, je préfère lire du bon anglais que du mauvais français. Je suis pas forcément d'accord, parce que des fois, il y a des trucs que tu comprends pas en anglais quand t'as pas les expressions, par exemple. Notamment au niveau humour. Alors, on va faire une petite attaque à l'unisson. Oui, c'est vrai, l'humour est adapté selon le pays, donc on perd parfois le jeu de mots original. Mais c'est là que le travail d'adaptation est important, et c'est là que tu vois qu'un bon adaptateur, un bon traducteur, se démarque des autres. C'est que justement, il arrive à changer cette expression, mais pour qu'elle colle dans la culture de la langue traduite, en fait. Ou plutôt de la localisation. Pierre de Majdef, ça me dit quelque chose ça. Augmente attribut Magic Def. D'accord. Ouais, 108 persos. Il y a eu FF7, Wild Arms aussi. Wild Arms, je me souviens pas tellement de ce jeu, donc je me souviens plus de la traduction. FF7, je m'en souviens très bien. Et FF7, c'était relativement grave parce que le scénario en prenait un coup, en fait. Il y a des éléments de scénario qui restaient très très... compliqué à comprendre sans une bonne traduction. Cannes me fait penser à Christophe Colomb avec ses vêtements. C'est bizarre cet endroit. D'accord. Enfin, ça sautait aux yeux, mais je sais pas pourquoi j'ai poussé à gauche. Je voulais tester juste de pousser. Peut-être qu'on peut ouvrir celui-ci aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est différent des autres ? J'arrive pas à le mettre comme les autres. Tant pis. Ça a un rapport avec la même légende que les 108 étoiles démoniaques dans Saint Seiya. Je la connais pas, cette légende. Je sais juste que c'est un conte chinois. Je crois que c'est un conte. Bizarre quand même, on dirait qu'il y a à chaque fois une deuxième porte. Je suis quasiment sûr qu'on peut l'ouvrir parce qu'il y a un espèce de petit défaut en dessous. S'il y en a qui savent, hein, je suis preneur.
Et moi j'ai juste une liste des persos là, je regarde pas dans les détails. Hein. Une sorte de code avec les bougies, ouais. Après je m'en fiche de louper des trucs genre des runes ou du stuff. Mais les persos, ça m'embêtera un peu plus. Alors, Chainmail, il en a déjà un. On va le mettre à lui, il est en première ligne. Ah, c'est peut-être pour femme le collier. Ou alors c'est vu comme un casque. J'en sais rien. Bouclier? Non. J'aurais peut-être dû lui prendre une petite armure, elle. Putain, mais c'est chiant, personne peut le porter. En faisant dans l'autre sens, peut-être. Non, si ça me propose pas de l'équiper ici, c'est que personne peut le porter. Ça change la fin si tu loupes des persos en plus. C'est surtout, t'as pas la vraie fin si t'as pas les 110 étoiles. Normalement, pour les persos, il y a des gros indices in-game pour pas les louper. Pas pour les 108. Tu peux passer facilement à côté des persos. Y en a un qui se fait buter, tu fais pas attention. Dans des batailles, apparemment. J'allais dire, il y a vraiment pas beaucoup de combats ici. Ah mais d'accord, c'est 30 dommages. L'autre jour j'avais lu 300 dommages. Enfin l'autre jour hier. Ah ouais mais pas tous les persos sont jouables Logan. Parmi les 108 t'en as beaucoup qui sont jouables quand même. Mais pas les 108. Ce serait abusé sinon. Non non t'en as beaucoup genre t'as le cartographe qui te permet d'avoir la carte. C'est génial. Mais non, non, pas tous. Ils ont toutes leurs petites fonctions, en fait. Tous. Dans les 108, t'as les marchands, forgerons et autres qui restent à ton QG. Ouais, mais les forgerons, certains, tu peux les avoir avec toi, je pense. Peut-être tous, même. Dans le premier, il me semble que tu pouvais tous les emmener. Ce qui était pas mal. Putain, c'est quoi ces groupes à la con là? Trop de sorciers.
après, je pourrais faire ça. Allez. De toute façon, c'est pas vraiment les sorts qu'on utilise sur les boss, ceux-là. Ils sont pas assez puissants. Ça, on l'utilise sur un boss. 400 damage. J'avais vu que les premiers épisodes de Tell Life sur le 1, du coup, j'ai vraiment peu de visu sur cette licence. Il n'y en a pas beaucoup des épisodes sur le premier épisode. Enfin, sur le premier opus. Tu peux regarder la suite, hein. Et c'est une fan track, donc elle est plutôt correcte. Il n'était jamais sorti en français. Ah, on est déjà arrivé. Je vous attendais, Victor, épée Star Dragon et... C'est le petit Marley. Je suis content que vous soyez là. Entre l'épée Star Dragon et les secrets de la chasse aux vampires de la famille Marley, votre heure est venue, vampire. C'est exact, préparez-vous à mourir. Attendez, ne soyez pas si pressé. Bien sûr, je comprends que... Je vous ai convoqué car j'ai aussi mes idées. Il y a quelqu'un que je souhaite rencontrer. Qu'en pensez-vous? Nostalgique? Elle s'appelle Daisy, non? Salaud. Eh bien, vous abandonnez? Donnez-moi l'épée Star Dragon et je vous rends la fille, ok? Victor? Daisy? Ouais, j'avais tous les persos dans le premier. Ne lui donnez pas l'épée. Victor, si nous perdons la rune nuit, nous ne viendrons jamais à bout de Necklord. Victor, aide-moi. Qu'est-ce que vous avez? Donnez-moi cette épée. Épée Star Dragon. Fais comme bon te semble. Beaucoup d'années ont passé depuis ce temps. Il y a si longtemps, je me souviens à peine de son visage. Ok, écoutez-moi, Sansu. Je sais que quand quelqu'un est mort, c'est pour toujours. Moi, Victor, je ne suis pas assez bête pour me laisser avoir par votre petite comédie. L'animation, elle est complètement folle. Allons-y, camarade! Attention à ce que tu dis. Allons-y, Ryu. Il faut le détruire. Ouais. Vous. Il y a des problèmes plus importants, alors je suis désolé. Attendez. Adieu. Nous nous reverrons. Ah non, il se bat encore. Il reviendra, Victor. Allez, c'est parti. Salut Zenko, comment ça va? Sur Dog Station, Logan.
C'est cool, il a fait un crit. Je vais continuer de soigner avec le héros. Sait-on jamais? Ouïouïouï. Oh oh! Je pourrais soigner avec les deux autres en fait. Mais il est en fou furieux. Donc non, je vais soigner avec celui-là. Ça va faire mal. Et ben voilà. C'est nul, il est parti. Nul, nul, nul. Bon, nous avons accompli notre mission, et Necklord a fui. Nous devrions rentrer à South Window, faire notre rapport. Oui, vous avez raison. Mais avant ça, on va soigner. Tiens, qu'est-ce qui vaut le heal de Victor? Ah, soigne complètement un allié. Mais je vais lui virer, c'est pas un soigneur, Victor.
Seigneur Ryu, où allez-vous? Nous devrions d'abord rentrer à South Window faire notre rapport à Lord Grandmeyer. Eh bien, au revoir. Je vais suivre Necklord. Si je le trouve, je vous le fais savoir. D'accord, merci. A plus, Khan. Espèce de bugger. Hein? Que s'est-il passé? Où sont-ils tous? South Window est aux mains de Highland. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai? Qu'est-il arrivé à Lord Grandmeyer? Tué par Solonji. Non, non, ce n'est pas vrai. Lord Grandmeyer...